Ils sont prêts à prendre leur envol. Et je suis avec le président de l'association Jean-Paul de Schutter. L'Hirondelle Estevelloise, c'est une des plus vieilles associations d'Estevelle. C'est la plus vieille. Elle a été fondée le 5 mai 1950 par les mineurs de fond du 24. Et actuellement, on est les deux derniers survivants, Alain Morupin, Alain Larchauché, et moi, Jean-Paul de Schutter. Vous êtes encore en bonne santé. Et suivi de près, évidemment, par l'entente musicale qui, je crois, a été créée en 1953. 54. Voilà, et tout ça. On vous met 4 ans. Tout ça fait une très belle famille. Ah, monsieur de Schutter, ces pigeons, là, une fois qu'ils vont avoir décollé, ils vont aller où? Je sais pas trop. Non, ils vont rentrer chez eux, ils vont aller au pigeonnier. Ah, il faut savoir qu'un pigeon voyageur, bon, ben, il s'oriente. Qu'il soit lâché d'est, nord, sud, ouest, il rentre à son pigeonnier. Ah, c'est une race qui a été créée artificiellement par l'homme, améliorée depuis plus de 200 ans, et on en est là aujourd'hui. On a des pigeons qui sont capables de faire 1000 km en une journée. Ce sont de véritables athlètes, ce ne sont pas des pigeons clochés, ce sont des athlètes purs et durs. Et là, actuellement, je suis instructeur dans le groupe de Béthune, il est là, Roger, Quentin. Et moi, instructeur Béthune, on forme des jeunes amateurs, on en a, et le plus jeune de la société, il a 10 ans. Et bientôt, l'année prochaine, j'en aurai peut-être un de 8 ans ou 9 ans. Voilà. Comment je vais dire ça? Ça perdure dans la génération. Il n'y a pas de problème. Eh bien, oui, la colombophilie, c'est une activité qui est très prégnante dans le Nord-Pas-de-Calais, prégnante et prenante pour les dirigeants, évidemment. Ça fait partie de notre patrimoine et de notre culture. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier aussi le rôle des pigeons dans les moyens de communication pendant les grandes guerres. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et on utilisait aussi ces animaux pour faire passer des messages importants. Alors sortez vos appareils photo, hein, c'est le moment. Regardez, prenez plaisir, c'est fait pour. Allez, c'est la semaine. On vous donne l'heure de. La Marseillaise, elle va. D'accord. Bon, il y a mes amateurs qui vont profiter de vous être déployés. Vous êtes prêts? Timéo, t'es prêt? On a des petits jeunes avec nous. Hein. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top! On y va! Allez les pigeons, c'est parti! Et ça continue à partir. Et ils sont capables de faire 1000 km en une journée, il faut le savoir. Véritables athlètes. Ah, il y a des retardataires là. Il y a des loupés là. Après un spectacle pareil, la Marseillaise.